Et là, maman, Amen. ça, mes bien-aimés, fait silence, pas fait silence tant que nous, nous pas l'ouvrir les oreilles spirituelles, non bien grand, pour nous capables d'entendre qui ça, le Seigneur, vient pour parler avec nous. Ainsi parle l'Éternel. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Merci Seigneur. M'a invité à l'ouvrir Bible avec moi. Nous allons aller dans Apocalypse, nous allons aller dans le dernier livre Bible, chapitre 3, le verset 11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Créole là, banol kon sa. Il dit non, avant longtemps, ma pral vini. Kenbe, so genyen, fem, pou person, pa wete rekompans ou nan men. Amen. Que bon Dieu bénit portion écriture ça, pour édification, nous chaque qui l'a. Amen. Merci Seigneur. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Qu'un besoin gagne en femme, pour personne, pas ouéter, récompense ou nan main. Thématique que nous gagnons, mes bien-aimés, pour Mato 9A, c'est couronne céleste. Le Seigneur sortit avec nous. Nan konkèt la, ou fin konkèri, e jodi a ou rive nan kouronman. Ou rive nan rekompans. Ka mè bien eme, pa genyen kouron san viktwa. E pa gen viktwa san komba. Ou même qui bataille, qui remporte victoire, c'est pour yon couronner. Ou même qui gagne victoire, eh bien, c'est pour couronner. Ou même qui gagne, qui tal dans la guerre, ou même qui te bataille et qui remporte victoire, c'est pour couronner. Et voilà, je dis à Frère Maxime, le Seigneur vient adresser ces paroles, ça que nous disons, nous, paroles que nous joignons. Dans le livre Apocalypse, côté le Seigneur, dans l'évaluation que l'a fait à différentes églises, et évaluation sixième l'église là, qui c'est l'église de Philadelphie, eh bien, le Seigneur fait une promesse. Le Seigneur fait une évaluation qui aboutit à parole, ça, mes bien-aimés, m'a vini bien vite. Eh bien, sac nan mon lan, kembel. Dans cette église-là, mes bien-aimés, l'église ça, l'église Philadelphia, eh bien, c'était plus belle l'église-là. C'était plus belle dans cette église Apocalypse-là. L'église qui était dans meilleur état spirituel. C'est l'église côté, nous t'ai dit l'autre jour, eh bien, vérité a t'apprégné, l'amour t'apprégné. Côté l'église, ça, mes bien-aimés, eh bien, le Seigneur t'est glorifié. Le Seigneur t'est devant. Le Seigneur t'est en l'air. Parce que, il t'est gardé. Il t'est kembé non ça. Il t'est kembé non bon Dieu. Il t'est kembé non Seigneur. Et il t'est kembé parole, ça, que l'il t'est confié, yo. C'est à l'église, ça, mes bien-aimés, que le Seigneur vient dire parole, ça, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ça veut dire, si le Seigneur dit à l'église de Philadelphie, kembe sak nan men lan, pour personne pas prendre, c'est que l'église de Philadelphie te gen en couronne. S'il dit, afin que personne ne prenne ta couronne, les te gen couronne.
Mais il est encore possible, mes bien-aimés, que moun sa, couronne sa que le gagne, gagne un monde, mes bien-aimés. Un monde qui est capable de prendre couronne sa dans main. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour parler que le Seigneur dit à l'église de Philadelphie, gagne sa que nan main là. Afin que personne moun pa pran. Li konnen gwo moun ki ka pran nan men. Li konnen gwo moun ki ka pran kouwonn ni an. S'il pa kebe sak nan men lan fèm parce que la batay li pran sa pou l te pran et s'il pa kebe l fèm yo ka pran nan men. S'il pa kebe sa Seigneur bali a, eh bien yo ka volèl. Car nous connaissons qui est-ce qui vole à mes bien-aimés. Nous connaissons qui est-ce qui est capable de prendre la main. Nous connaissons qui est-ce qui est capable de faire d'appuyer en souli. Nous connaissons zinglin d'oua. Nous connaissons voler. C'est malin. Hein, cap rôder autour de l'église là, mes bien-aimés. Pour le tenter endormir nous. Pour le tenter aveugler nous. Pour le tenter empêcher nous la gloire de Dieu. Pour le tenter empêcher nous la gloire, la puissance, la manifestation de Dieu. Il là la prodé autour de nous-mêmes. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. Pour l'empêcher, nous, vive manifestation. Hein? Manifestation, gloire, bon Dieu. Et ça fait le Seigneur exhorter l'Église fidèle pour le Québec. L'Église Philadelphie qui est fidèle à lui-même, eh bien, lui exhorter, mes bien-aimés, pour le Québec, ça le dégainer. Hein? Ça le gagne même là, ça le t'est possédé déjà. Qui ça le t'est possédé déjà, mes bien-aimés? Pour le kebel, pour l'attacher à couronne ça. L'igo couronne, mes bien-aimés. L'igo couronne qui placé sous tête li. L'igo couronne qui placé sous tête li. Et c'est ça qu'elle dit. Pour personne pas prendre couronne ça. Là, mes bien-aimés, li dit pour le kebel. Pour l'attacher à couronne merveilleuse, pour qu'elle le ferme, pour personne pas prendre. Go couronne merveilleuse, mes bien-aimés, qui on est tête l'église là, qui on est tête, et toute parole, bon Dieu, c'est perle précieuse que y'a. Et ça que fait, nous te dit l'autre jour, dans le livre Lévitique là, bon Dieu te baille des autres particuliers à sacrificateur. Nous connaît comment le teye dans tant longtemps. C'est un grain de monde, il était sorti dans une seule tribu, et c'est un grain de monde qui était capable de jouer rôle souverain sacrificateur. Mais là, nous arrivons dans la nouvelle alliance, mes bien-aimés, bagaille a changé. Bagaille a changé. Kakounia, femme ou garçon, eh bien, nous toutes, qui confessons le nom de Jésus, eh bien, nous venons sacrificateurs de l'Éternel. Si sous ancienne alliance, là, nous t'aurons que c'est seul garçon qui sortit dans la tribu Lévi, qui t'est joui de privilèges, eh bien, mes bien-aimés, dans la nouvelle alliance, bagaille a changé. Sacrificateur, non, souverain sacrificateur, non, eh bien, c'est Seigneur Jésus. Et ça fait, il dit, non, ce sacrificateur ne sortira pas du sanctuaire et ne profanera pas le sanctuaire de Dieu. L'huile d'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Lévitique 21, le verset 12. Donc là, on peut comprendre, mes bien-aimés. Il dit clairement là, dans le passage, ça que couronne souverain sacrificateur, hein, c'est l'huile d'onction, bon Dieu. C'est l'huile d'onction, bon Dieu, là. Alléluia. Donc là, il permet nous pour nous penser que couronne l'église, là, mes bien-aimés. Couronne l'église fidèle là, l'église qui est fidèle à bon Dieu, hein? L'église qui a fait volonté bon Dieu, hein? Eh bien, couronne l'église ça, il n'y a pas l'autre bagaille que onction bon Dieu là, qui repose sous lui-même. Donc, présence, mes bien-aimés, et onction, Seigneur, il repose sous tête l'église là. Parce que l'église ça a gardé parole au Seigneur, lui était fidèle à engagement, lui était attaché à la vérité. Il y a un autre côté, un autre passage qui semblait à San Sotoya, que nous jouons dans le livre Esaïe, il dit en ce jour,
L'Éternel des armées sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Ésaïe 28, le verset 5. Donc c'est l'Éternel lui-même, mes bien-aimés, qui se couronne éclatante, peuple IA, peuple fidèle là. L'église Philadelphie est fidèle. L'église Philadelphie est fidèle à Seigneur. Il était quitté. Justice, mon Dieu, a régné dans lui-même. Il était obéi. Il était fait volonté, mon Dieu. Donc c'est ça que fait. Il était recevoir onction, mes bien-aimés. Il était recevoir l'onction du Seigneur. Il était recevoir l'onction de l'Éternel. Donc lui-même, il était couronné. Il était couronne éclatante, ça, qui était placée sous tête l'église là. Il était une parure magnifique pour eux. Et c'est peut-être ça, le Seigneur était capable de venir lui dire, retiens ce que tu as. La paix, bon Dieu, avec eux. Amen. C'est ça que fait le Seigneur capable de venir lui dire à l'église Philadelphie, tombe ça que nous avons là. Retiens ce que tu as. C'est parce que lui connaît qui ça a été gagné dans mes yeux. L'église n'est pas capable de perdre l'huile onction, ça avait bien aimé. L'église n'est pas capable de perdre que s'il tombait dans le péché. Ou si l'église tombait dans le compromis. Si l'église tombait dans le péché, si l'église a patogé dans la saleté, si l'église a patogé dans l'obéille, si l'église a patogé dans tout vous m'sédo, si l'église a patogé dans où l'aime de bon, si l'église tombe dans toute qualité compromis, si l'église pourrait boucher dans toute sac pagadelle, si l'église a rentré dans toute sens, l'église tourne magi, c'est normal la paix de l'huile onction, ça, mes bien-aimés. Amen. La paix, bon Dieu, avec vous. C'est normal Amen. Pour l'église, ça, mes bien-aimés, yo évaluer et les jouer de mon pièce li, sac réservé pour lui, pour comportement, que les gagner. Comment la lumière peut-elle, mes bien-aimés, être associée aux ténèbres? Comment la lumière qu'a fait dans ses collés à ses noirs? Et ça fait nous capables de mettre en parallèle verset ça, mes bien-aimés, que le Seigneur ben nous. Alléluia. Le verset 3. Le verset 11 dans chapitre 3 Apocalypse là, nous capables mettre en parallèle avec verset ça que nous venons dans Marc chapitre 10 le verset 21 côté le Seigneur Jésus dit à jeune homme riche là, Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit, il te manque une chose, va tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. La paix, mon Dieu, avec vous. Amen. Voilà que Jésus dit à jeune homme riche ça, débarrassez-vous. Débarrassez-vous de ça que vous gagnez. La paix, mon Dieu, avec vous. Amen. L'église, Jésus dit à l'église Philadelphie, garde ce que tu as, et il dit à jeune homme riche là, débarrassez-vous de ce que vous gagnez. Débarrasse-toi de ce que tu as. Et voilà que bon, l'église lui dit, garde ce que tu as. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. Qui ça, l'église Philadelphie, t'es de garder, mes bien-aimés? Lui, t'es de garder ça que t'es gagné. Qui ça, t'es gagné? Lui, t'es gagné le Seigneur lui-même. Lui, t'es gagné couronnant. Lui, t'es gagné le Seigneur. Tandis que jeune homme riche n'a pas de gagné. Ok. Jeune homme riche n'a pas de gagné. Étant donné, mes bien-aimés, jeune homme riche a été attaché à bien matériel. Jeune homme riche a été attaché à bien matériel. Et c'est ça que fait le Seigneur Jésus. Il débarrasse de son gagné. Il était attaché à bien lieu. Donc, attachement, ça, c'était obstacle, jeune homme, ça, à sa lule. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. Amen. Et ça fait, là, côté cœur, c'est la trésorier. Cœur dans l'argent.
C'est trésor, c'est dans l'argent lié, c'est dans le matériel, c'est atelier. Ou brancher bien, trésor, c'est dans atelier. Donc, mes bien-aimés, là, ils respectaient toutes les paroles de Dieu, mais ils gardaient dans cœur l'amour pour ça le gagner. C'est le seul bagaille qui t'a empêché, jeune homme, ça, accéder à salut. Ça t'a mené, ça t'a mené à tête li. Et le Seigneur vient demander qu'on y a pour débarrasser de ça, yo. Détacher de bien matériel là. Il veut que le Seigneur vienne unique trésor. Il veut que le Seigneur vienne couronner la paix bon Dieu avec eux. Amen. L'église de Philadelphie t'a débarrassé de tout bien terrestre. L'église de Philadelphie t'a débarrassé de tout trésor terrestre. Il t'a gardé le nom de Jésus. Il t'a gardé la parole de son Dieu. Donc, trésor l'église de Philadelphie, c'était le Seigneur et sa parole. La paix bon Dieu avec eux. Amen. Amen. C'est ça que fait, c'est ton l'église fidèle qui te remplit à remet à obéissance à Seigneur. Donc, il t'a marché dans l'intégrité. C'est pas une église qui t'a fait ouais. C'est pas une église qui t'a fait showbiz. C'est pas une église qui t'a fait spectacle. C'est pas une église qui t'a fait chelbet. C'est pas une église qui t'a cassé pour être monde. C'est pour l'église qui t'a fonctionné pour spectacle. C'est ton l'église qui t'a fonctionné pour respecter la parole, qui t'a fonctionné pour faire bon Dieu plaisir. Et pas t'a fait mon plaisir. C'est pas ton l'église qui t'a fait remarquer. C'est pas ton l'église qui t'a fait chelbet, qui t'a dit qui t'a frappé l'estomac, c'est moi qui bon. Non, puisque avant le Seigneur dit lui au verset 8, le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. Amen. Église, ça, mes bien-aimés, certes, il n'y a pas de gain, trop puissance. Dans ce monde, il n'y a pas de trop puissance dans ce monde là. Et dans ce monde qui t'a cherché apparence, dans tout le monde qui a venu, qui a cherché l'église pour Shelbert, qui a cherché l'église pour faire ouais, qui a cherché l'église qui a un bel décor, l'église qui a une belle décoration, qui a un bel jeu de lumière, l'église qui a une belle bagaille, bel décor, belle apparence. Et ça, tout le monde a cherché. Et pas de ça, l'église de Philadelphie t'a fait. Pendant que dans Dieu, mon Dieu n'a pas de puissance, mais dans Dieu, mon Dieu, il te gagne tout ça pour te gagner. Il te gagne la vraie puissance du Seigneur. Amen. Amen. Il n'a pas de aucun impact sur le monde, mes bien-aimés, qui t'est attiré par l'autre trésor que le Seigneur. Il n'a pas de impact sur le monde, ça y est. C'est ce monde qui vient chercher mon Dieu, eh bien, il impacte mon Dieu. Et ça que le Seigneur pourrait ajouter, il va dire, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Pour éprouver les habitants de la terre. La paix, mon Dieu, avec eux. Amen. 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 Mes bien-aimés, tentation a venu. Dotation là déjà, séduction là déjà, et Jésus-Christ, il prévenit nous de tout bagage ça y est, il a fini dans le dernier temps. Donc je dis à nous, dans le temps apostasie, nous dans le temps séduction, qui comportement va gagner face à séduction, qui comportement va gagner face à apostasie, puisqu'on la donne. Donc si le Seigneur vient, je dis à lui, il vient prévenir. Ou pas capable de retenir bien-aimé pour aller pire dans le piège l'autre là, non? Mm-mm. Le Seigneur vient prévenir, le Seigneur parle avant, si je dois tomber dans le filet, ça c'est au choix pas. Oh. Parce que le Seigneur l'ouvre les yeux. Le Seigneur l'ouvre les yeux, il met sous main. Oh. Donc je dis à mes bien-aimés, le Seigneur dit non, il parlait à l'église de Philadelphie, je dis à c'est moi-même avant qu'il a. Parole, ça c'est pour ma voix.
Amen. Puisque je dis aux chrétiens de la Nouvelle Alliance, et le Seigneur dit aux couronnes, mes bien-aimés, nous te disons qui s'allient son insigne royal, lui, je servis avec le Nouveau Testament comme récompense. Et je dis à Frère Maxime, le bon Dieu a parlé de couronne. Eh bien, si vous gagnez sous tête ou déjà, à terre, eh bien, gagnez captain nous dans le ciel. Et ça fait la Bible, dans le Nouveau Testament particulièrement, il parle de 5 différents types de couronnes. Lorsque m'accepte Jésus-Christ, eh bien, le Seigneur Jésus, mes bien-aimés, lorsque le Seigneur dit à l'Église, retiens ce que tu as, eh bien, il faut regarder qui ça a gagné. L'on joue une crise. Qui ça a crise baou? Colossiens chapitre 2, le verset 10, qui ça le dit? Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons tout en lui. Donc ça veut dire, mes bien-aimés, nous connaissons que tout ça que nous avons besoin, nous avons besoin de Christ. Et c'est ça que fait le Seigneur a dit, en Christ, nous pas seulement pardonné de péché nous, mais nous venons à l'autre monde. Et c'est l'autre monde, ça, mes bien-aimés, qui pral vivre Jean Bon Dieu voulait et qui pral accéder à récompense, qui pral accéder à couronnement lorsque il fait travail que le Seigneur confie là dans fidélité. Parce que la Bible a parlé là de 5 types de couronnes qui pral attribuer à croyants yo comme récompense selon Jean yon pral travail sous la terre, selon Jean yon pral travail mission. Je vais exécuter mission que le Seigneur Bayoua. Il parlait de couronne. C'est couronnement qui vient après le travail qu'on finit faire. Lorsque vous finit reconnaître ce qu'on fait, j'en ai dit l'autre jour, couronne, il vient de sortir dans le mot grec Stéphanos, qui veut dire qu'il y a un insigne royal. Il y a un prix qu'on gagne dans un jeu ou bien un symbole d'honneur. Ça qui traduit par couronne ne pas correspond forcément à un ornement luxueux garni d'or, de perles, de pierres précieuses qui placé sous tête roi. Mais son mot, il a utilisé le sens figuré et il traduit différentes récompenses célestes que bon Dieu promet à monde qui fidèle, à monde qui était fidèle à lui-même. Et nous te dit dans 1 Corinthiens 9, 24, 25, 1, apôtre Paul, il compare les chrétiens à un athlète. Il compare à un monde qui est en course, qui n'a pas l'autre objectif que bataille pour mener bon combat la foi, pour être capable de remporter et de prendre vocation céleste là. Donc, et ça qu'on vient en Jésus lui-même, dans l'Apocalypse, il vient exhorter Saint-Yo pour gagner. Pour gagner. Et les promettre en retour diverses récompenses. Et c'est là, mes bien-aimés, diverses récompenses, ça, eh bien, c'est couronne. C'est couronne céleste, c'est différentes couronnes. Et pas nous tous qui avons les mêmes couronnes. Les paroles de la couronne de justice. Apôtre Paul va dire dans 2 Timothée 4, versets 7 et 8, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Donc justice sont attributs divins que liés, c'est bon Dieu seul qui juste juge. Et c'est lui-même qui justifie nous en Jésus-Christ. Par moyen la croix. Donc là, mes bien-aimés, apôtre Paul dit parole ça, hein? Justice ça là pour rétribuer un acte ou bien pour réparer une faute. Donc tout le monde kawel, tout le monde connaît tout ça que apôtre Paul t'a subi, mes bien-aimés. Tout le monde connaît qui ça t'a enduré. Donc il espérait une juste rétribution de la part du juste juge. Et ça fait le cap parler comme ça. Donc c'est ça, mes bien-aimés, couronne de justice. Est-ce que c'est pour tout le monde? Non, pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Parce que, bon Dieu, couronne de justice, ça, que l'apôtre Paul a parlé là, c'est fruit, œuvre qu'on accomplit. Et que bon Dieu pourra le récompenser. Qui sont tes faits, qui sont produits, qui sont bails comme résultat, qui sont faits à ça, bon Dieu, t'es maintenant, mais on l'a. La paix, bon Dieu, avec vous.
Il va parler au plus loin dans 1 Corinthiens 9, 25 là. Il va parler de couronne incorruptible là. Lorsque il parle de tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Mais où la couronne, mot incorruptible là, il voulait dire qui n'est pas corrompu. Pas de fraude là-dedans. Il n'est pas capable de changer ou pas capable de modifier. Il jouit de l'intégrité absolue. Ça évoquait non seulement le fait que matière là, mes bien-aimés, couronne en fait là, il n'est pas capable de détériorer au fil du temps. Mais en même temps, tout, on n'est pas capable, mes bien-aimés, on n'est pas arrêté ici-bas. Royaume avec président Montaïo, il fait la guerre. Il n'y a pas d'assurance de pérennisation règne, mes bien-aimés. Mais même genre avec règne Christ là, il est éternel. Le règne de Christ sera éternel. Donc, règne à côté de lui-même tout, et bien l'éternel. Apocalypse chapitre 5, le verset 10. Donc, nous héritons de une couronne indestructible et corruptible. On n'est pas capable d'endommager le ciel là. La guerre, l'érosion, quelle que soit saleté, il y a. Donc, on doit avoir une couronne ça. La couronne que vous parlez de lui, vous parlez de la couronne de vie. Jacques 1er, le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, songez ça me là, le Seigneur prévenit nous, il dit nous, tentation a venu. Séduction a venu. Qui j'en que ou même on pral gérer, qui j'en pral faire face à lui-même. Et il dit là, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc la vie éternelle t'est perdue à cause de la désobéissance de premier homme, non, de premier parent, non. Mais Jésus, le nouvel Adam, est de lui récupérer toute bagaille et lui banoule bien au-delà. Lui, c'est le chemin qui menait dans la vie, ça. Lui même qui menait, c'est lui qui baille la vie éternelle, là. Mais surtout, la vraie vie, Jean 14, 6. Donc, l'on obéit à Créateur comme l'élevé de Jésus ou accepter, donc ou résister à toute qualité de tentation, quelle que soit forme ni prend, ou résister à lui-même, eh bien, couronne la vie éternelle là. Ou bien, on va le recevoir, son véritable récompense que bon Dieu a accordé à croyant. Yo. Donc, c'est ça que fait mes bien-aimés. L'on peut-être à tentation, hein. Eh bien, bon Dieu, pralbaou, couronne ça. Couronne la vie éternelle. Christ, c'est véritable récompense là. Que bon Dieu, mes bien-aimés, accordé à croyant yo. Faut qu'un bé. Ou jeune couronne de gloire. 1 Pierre 5, 4. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Nous connaissons la gloire, c'est Marc Céleste là, mes bien-aimés. C'est Marc du Céleste. Et atmosphère de demeure côté sauvé ou habité. La gloire de Dieu n'est pas seulement mes bien-aimés, n'est pas seulement, c'est pas un mot. Et la gloire de Dieu ne sera pleinement complète que lorsque tous ses enfants regagneront sa demeure. Et là, lorsque tout le monde rivait, là, mes bien-aimés, la complète. Même Jean, petite, fait fierté, parent, eh bien, tout est lui tout. Le moment arrivé pour réunir en Christ, eh bien, il va le faire éclater la gloire du Père. Parce que volonté, c'est pour tout le monde arriver, joindre Christ. Et puis pour nous arriver dans la gloire. C'est arriver vivre dans la sanctification. Jean que le monde nous sous la terre pour nous arriver à jouir dans la gloire. Ça. Il a partagé là avec nous. C'est ça que fait la parcours de nos couronnes corruptibles de gloire. Si que nous sommes des gens de la maison. Nous, c'est petit caille, et que nous distinguons comme tel. Éphésiens chapitre 2, le verset 19. Et pour finir, frère Maxime, la Bible parle nous de la couronne de joie. Joie en lui-même, c'est une couronne qui va briller sous visage. Non? Parce que celle-là, c'est un espace, c'est un lieu de quelque temps que lié. Donc, bon Dieu promet pour le suivre de l'eau dans les yeux, nous. Bon Dieu promet pour faire oublier toute souffrance que nous endurer sous la terre pendant que nous vivons sous terre ça.
selon Apocalypse 21, le verset 4, eh bien, toute l'eau dans le jet va sécher, toute souffrance va disparaître. C'est pour la joie que bon Dieu t'a créé l'homme, mes bien-aimés, pour que l'homme capable réjouit dans lui-même. Donc l'homme découvre grandeur et majesté créateur et toute joie qui gagne dans face lui devant face mon Dieu. Somme 16, le verset 11. Donc couronne de joie, mes bien-aimés, les réservés, les qui réservés pour nous, hein, les pour faire nous découvrir toutes les merveilles de Dieu, toutes délices qui gagnent, les délices éternelles. À toi, bon Dieu, les réservés pour moun ki pou li yo. Donc, pour ça, frère Maxime, yo, nous, ouais, couronne, le bon Dieu a parlé de couronne, eh bien, ou qui couronne qui sont tête ou déjà, pendant qu'on va vivre là, et qui ça, ou pral, joigne, après que j'ai affaimé, qui ça, ou pral, joigne, mes bien-aimés. Donc là, il parlait de cette couronne dans le Nouveau Testament, mais ça ne veut pas dire que pas gen l'autre dans ciel là. Jésus lui-même lui décrit tant qu'ou gen en pile couronne sous tête là. Apocalypse 19, le verset 12. Donc selon destinée nous, selon mérite nous, selon accomplissement nous sur la terre. Bon Dieu pral couronner nous, la glorifier nous, et pral faire nous ouais, jouir de héritage céleste là. On n'est pas capable de comparer mes bien-aimés à quel temps que nous avons éprouvé. Nous pral joindre dans lui-même et adoration que nous pral balir même Jean avec 24 vieillards que nous joindre Apocalypse 4 10 qui dit nous jette leur couronne devant le trône en disant tu es digne notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance en nous veiller sous tête nous jodi a pour nous pas rater récompense ça grand rendez-vous ça en nous veiller sous tête nous pour nous pas rater faites ça ce lieu espace ça mes bien-aimés ce lieu extraordinaire qui est réservé pour nous enfants fondation monde là il est réservé pour nous en nous pas rater rendez-vous en veiller sous tête nous veiller sous pensée nous veiller sous parole nous veiller sous action nous pour nous capable prendre part à grand rendez-vous ça ce grand rendez-vous divin. Que le Seigneur bénisse abondamment au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur.